Une vue est égale à un like, ce signe n'est pas négociable. Salut tout le monde, c'est Brocky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quels sont les prochains véhicules qui seront gagnés tout simplement sur le podium du casino. Du coup, quelle est l'utilité tout simplement de savoir quels sont les véhicules qui vont sortir sur le podium du casino? Tout simplement de vous mettre à jour et comme ça, vous saurez les prochains véhicules qui vont sortir et vous serez en avance comparé aux autres personnes. Sinon, il n'y a tout simplement aucune autre utilité. C'est plutôt pour être à jour sur GTA Online et s'intéresser au jeu. Du coup, cette semaine, vous pourrez tout simplement gagner la Ocelot Jugular jusqu'au 20 janvier. Il y a tout simplement les deux prochains véhicules qui vont arriver au podium du casino. On va commencer par le premier véhicule qui est un véhicule assez stylé, qui est plutôt un véhicule de circuit. C'est la D-Class Tampa Drift. Du coup, comme vous pouvez voir, le véhicule est assez simple. C'est juste un véhicule voilà, de circuit de route. Circuit, parce que c'est vrai que les roues, ça fait penser beaucoup à des routes circuit, notamment sur le scotch qui est placé sur les vitres à l'arrière pour éviter qu'elle se brise si un accident est fait. Ça n'a simplement aucune utilité en jeu, mais de base, ça sert simplement à ça. On va passer au deuxième véhicule qui est un véhicule plutôt sportif. Le meilleur véhicule, si vous faites des parcours, c'est vraiment le meilleur véhicule que vous pourrez utiliser. C'est la ProGun T20. Du coup, voilà, véhicule juste magnifique. Véhicule d'ailleurs que je vous conseille d'acheter si vous êtes nouveau sur GTA Online. Mais sachant qu'il va sortir sur le podium du casino, je vous conseille plutôt de garder votre argent et de gagner la voiture sur le podium du casino car vous pourrez l'avoir tout simplement gratuitement. Sachez que pour l'instant, déjà au podium du casino, il y a tout simplement 137 véhicules à gagner. Mais les véhicules que je vous ai présentés, les deux véhicules, c'est tout simplement des prochains véhicules à gagner. Je vais pas vous citer tous les noms qu'il y a, mais il y en a vraiment énormément car il y en a 137. Voilà, vidéo très rapide, je savais pas vraiment quoi vous faire ce lundi car c'est un peu vidéo surprise car je sais pas vraiment quoi faire le lundi. Avant je faisais des threads mais j'en fais plus car ça prend vraiment trop de temps et ça colle pas vraiment avec mon contenu principal qui est GTA Online. Du coup, si vous avez des idées pour les vidéos du lundi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucun autre contenu sur GTA Online. Tu pourras aussi liker la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci frérot. Sur ce, je vous dis, c'était Brocky, bye bye.